63 ans. À un moment, il fallait lever le pied. Et comme je suis en train d'ouvrir ma propre fondation à Marrakech, j'ai acheté 2 hectares. On est en train de faire un musée, disons un musée fondation sur 5500 mètres couverts. Donc c'est un truc énorme où il y aura quelque chose comme 500 œuvres d'art, 500 mahibinbin, oui. Maintenant, j'ai plus honte de le dire, je suis en âge de le proclamer. Il va y avoir une centaine de sculptures, dont une trentaine monumentales, etc. Je vais prendre un peu une sorte de retraite artistique et je vais me consacrer à cette fondation. Et comme j'ai fait l'ouverture de cette galerie il y a 15 ans, il était absolument naturel de tirer ma révérence dans cette galerie. Et je suis extrêmement content parce que je le fais avec un nouveau travail, avec de nouvelles œuvres qui n'ont pas été vues, beaucoup de résines, des choses qui n'ont pas été vues du tout auparavant. Et je suis très content de le faire à l'atelier 21. J'ai beaucoup travaillé sur l'enfermement, j'ai beaucoup travaillé sur Thèse Mamet, sur l'enfermement, sur des choses comme ça. Et puis voilà, maintenant, les choses se sont apaisées, le pays change, et moi aussi. On devient plus sage. Ben, je travaille sur des clous. On est toujours sur des clous. On est toujours assis, allongé sur des clous. Le gars qui a fait le texte, Olivier Rachet, qui a fait le texte, il dit que ce n'est pas des clous, c'est des crayons. Pourquoi pas? C'est peut-être des crayons. Et ce serait un heureux mariage entre la littérature et la peinture. Tout à l'heure, en rentrant, il y a un tableau, il y a une patera. J'ai écrit un livre qui s'appelle Cannibale, où je parle des immigrés clandestins. Je veux dire, il y a vraiment... Quand je passe la matinée à écrire un texte, évidemment, l'après-midi, quand je rentre dans mon atelier, on retrouve les sujets, on retrouve les mêmes thèmes. Voilà, donc il y a une complémentarité entre les deux univers. J'ai décidé d'exposer au Maroc. Je vais continuer à faire les foires internationales que je fais de toute façon. Là, je fais en février, je fais Bruxelles, après je fais Dubaï, après je fais la Hollande, etc. Je vais continuer à travailler à l'étranger, mais lever le pied un peu chez moi parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ici.